Nous allons retrouver sur cette deuxième conférence trois interventions, dont Madame Souhila Paré, responsable santé, prévention, formation avec nous. Sandrine Foulon, référente amiante, plomb et déchets de BBNE. J'en dirai un petit peu plus sur les quatre lettres. Et Adrien Vandenbroek, consultant. Merci à tous les trois d'être présents. Donc, bonjour à tous. Avant de voir le retour d'expérience des professionnels concernant ce sujet, je vais essayer de dresser assez brièvement le contexte et d'apporter un peu d'éclairage sur les différentes appellations, parce que on constate, enfin on entend parler diagnostic déchets, diagnostic EMD, diagnostic ressources. Donc avec cette petite introduction, je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte. Donc, déjà, un point important à avoir en tête, c'est un chiffre assez conséquent à avoir, à savoir, c'est que le secteur du bâtiment génère à peu près 46 millions de tonnes par année, dans 23 millions de tonnes par la déconstruction, et dont 17 millions issus de la réhabilitation. Et les 6 restants issus de la construction neuve. Donc on voit quand même que c'est un secteur très générateur de déchets. Et dans le contexte actuel de préservation des ressources et l'optimisation de la gestion des déchets, on comprend très rapidement que ça devient un sujet prioritaire de préoccupation. Donc la loi Grenelle a embarqué ce sujet afin d'instaurer un raisonnement d'une meilleure gestion des déchets issus du bâtiment. Et dans cet esprit-là, ils ont inscrit le diagnostic déchets afin d'apporter à la maîtrise d'ouvrage une clé pour mieux gérer les déchets issus des chantiers de démolition et dont les surfaces sont supérieures de 1000 mètres carrés. Donc l'objectif du diagnostic déchets était de fournir une réflexion à la maîtrise d'ouvrage sur la nature, les différents types de déchets, leur localisation afin d'anticiper leur gestion. Ce diagnostic devait faire l'objet d'un récolement qui devait être transmis à l'ADEME à des fins d'études statistiques. Et ce diagnostic devait être fait par un professionnel de la construction ayant une assurance pour ce type de mission. Le problème, c'est que après quelques années de recul, on constate que le diagnostic déchets était très peu appliqué. On estime à 5% d'application pour les chantiers qui étaient concernés, c'est-à-dire tous les chantiers au-dessus de 1000 mètres carrés. Donc c'est un dispositif qui n'a pas été pris en main par la maîtrise d'ouvrage, mais qui aussi qui a montré une certaine défaillance dans les compétences qu'on devait demander à un diagnostiqueur pour ce repérage des déchets. Fort de ce constat, le législateur a réinscrit donc ce principe de diagnostic dans sa feuille de route économie circulaire qui ensuite a donné la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire, et d'en faire en fait un outil central dans une meilleure gestion des déchets, mais avec une optique de hiérarchisation des moyens de gestion des produits, parce que
Quand on parle de diagnostic PEMD, donc c'est bien les produits, équipements, matériaux, et c'est lorsqu'on ne trouve pas d'alternative de gestion de ces matériaux-là, qui sont envoyés en élimination et sont alors considérés comme déchets. Donc, dans le diagnostic PEMD, on constate qu'il y a une hiérarchisation dans la prise en main de ces composantes. Donc, il y a une forte incitation au réemploi, à la réutilisation, à la valorisation en matière énergétique, par exemple, et le recyclage, bien évidemment. Et en dernier lieu, l'élimination finale du déchet. Avec le diagnostic PEMD, on se rend compte aussi qu'il y a une forte incitation pour privilégier en fait les filières locales. Et donc, on constate que le législateur veut que le diagnostic PEMD apporte un vrai éclairage dans la gestion, dans la gestion des déchets dans leur globalité, déjà par rapport à la maîtrise d'ouvrage, mais qui ensuite, bien évidemment, impacte les démolisseurs qui doivent, eux, du coup, repenser leur manière de démolir. D'ailleurs, on ne parle plus de démolition, on parle de déconstruction. Parce qu'on doit, si on doit réemployer certains équipements matériaux, on doit penser à la technique de déconstruction et conservation du matériau. Donc, le dispositif diagnostic PEMD a été annoncé par la loi, le décret, et nous étions en attente des arrêtés qui devaient venir préciser la mise en œuvre, la mise en œuvre du diagnostic avec ce qu'on appelle le CERFA de récollement, qui vient en fait préciser la manière dont on doit restituer l'information à la maîtrise d'ouvrage. Donc, ce qui est important de noter, c'est que le législateur en fait a voulu renforcer le rôle du diagnostiqueur PEMD, qui est finalement n'est plus indépendant par rapport à la maîtrise d'ouvrage, contrairement à ce qu'on peut constater pour le diagnostiqueur amiante pour la maîtrise d'ouvrage. Le diagnostiqueur amiante, lui, doit être indépendant et vient restituer un résultat. Il y a de l'amiante, il n'y a pas de l'amiante. Là, le diagnostiqueur PEMD doit accompagner finalement la maîtrise d'ouvrage dans sa gestion des déchets, et il doit apporter tous les éclairages nécessaires sur les filières, sur même les préconisations de déconstruction, pour en fait assurer au mieux la gestion de ces déchets-là, qu'ils soient réemployés, réutilisés, valorisés énergétiquement plus tard, ou alors éliminés. Donc, un point important, c'est que le diagnostiqueur PEMD aujourd'hui doit apporter la preuve de ses compétences, parce qu'on a vu dans le dispositif diagnostic déchets qu'il y avait une réelle faille dans le besoin de compétences. Et alors, le législateur a mis comme exigence une preuve de formation de compétences ou d'une certification compétences dans ce domaine-là. Et pour répondre à cette attente, donc le CEDRE d'un côté et FEDEREC de l'autre ont réfléchi pour mettre en place une formation certifiante enregistrée à France Compétences, donc reconnue, pour en fait faire former les diagnostiqueurs PEMD dans leur mission. Donc, concernant le CEDRE, donc c'est une formation, comme je disais, certifiante. Le CEDRE est certificateur, et donc le CSTB Recovering sont nos partenaires en formation qui, en fait, délivrent la formation qui ensuite ouvre la porte à la certification.
Ce témoignage qui va nous permettre de rebondir avec Sandrine Foulon. Merci Sandrine, je vais te laisser prendre le micro, la petite zapette pour la suite. Référente amiante, plomb et déchets de BBNE. Ça veut dire quoi BBNE, Sandrine? Alors BBNE, c'est Bouygues Bâtiment Nord-Est. Merci. Voilà. Donc moi, je vais donc vous présenter le projet du Crous de Lille, dont le maître d'ouvrage est intervenu via la vidéo. Et le sujet, ça sera donc le diagnostic ressources et la gestion des déchets. Donc dans ce projet, on est deux acteurs, le Crous de Lille, qui a lancé une consultation en 2021 par le biais d'une publication d'un DCE dans lequel on avait des critères environnementaux importants. De là, pour information, c'était un projet en conception-réalisation et une réhabilitation lourde des 4 bâtiments de chambres universitaires pour 440 logements. D'un autre côté, il y a Bouygues Bâtiment Nord-Est qui a une politique RSE forte, avec un axe de réduire son empreinte carbone et un objectif de moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour cela, un des principes sur lequel on s'appuie, c'est l'économie circulaire, et avec le domaine de la gestion des déchets que je vais vous développer sur la slide d'après. Donc, pour commencer, en fait, à savoir que les déchets du BTP, alors Soulia, tout à l'heure, vous a donné des tonnages du bâtiment. Moi, là, je vous présente les déchets du BTP, donc la partie bâtiment et travaux publics. Et il faut bien savoir qu'en France, ces déchets-là représentent 70% des déchets produits en France, ce qui est quand même important. De là, on a tous des obligations de tri des déchets. Alors, nous, dans nos missions, bien entendu, on doit bien gérer nos déchets. Il faut comprendre que les déchets, ça a une valeur, ça a vraiment un potentiel technique et un potentiel financier. Et l'objectif, c'est que ça redevienne toujours des ressources au niveau des chantiers. Redevenir des ressources, ça veut dire que l'objectif est d'éviter de futures extractions de matières premières. De là, en fait, notre objectif, c'est clairement de préserver les ressources. Alors, la préservation des ressources, dans un premier temps, la logique, c'est de réduire, voire réduire les déchets à zéro. On dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit tout, mais il s'avère qu'on a quand même des déchets sur chantier. Qu'est-ce qu'on doit en faire? L'objectif principal, c'est trier et de faire de la valorisation matière, avant de faire de la valorisation énergétique et surtout de ne pas les enfouir. Au niveau de la valorisation matière, on a le réemploi. Alors le réemploi, c'est donner une seconde vie, c'est un matériel, un équipement, et ben on le réemploie pour la même fonction. La réutilisation, je dirais que on va lui donner une autre fonction, et le recyclage, en fait, il va être transformé. À savoir que le réemploi, on n'est pas dans la réglementation du déchet quand on fait du réemploi. Par contre, réutilisation, recyclage, on est arrivé dans la réglementation déchets. Le tri, ça implique quoi derrière? Ça veut dire qu'on va augmenter des flux déchets. Derrière, on va augmenter un nombre de bennes, de contenants. On va augmenter des flux sur chantier. Et ainsi, on va surtout augmenter la zone déchet sur le plan d'installation de chantier. Il faudra savoir bien l'anticiper. Une fois qu'on a augmenté et démultiplié tous ces flux, ça veut dire que derrière, on a notre fameuse benne dite DIB, je dirais la benne tout venant. Cette benne-là, par principe, elle va donc diminuer au niveau des tonnages, et c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir, parce que c'est la benne qui coûte vraiment le plus cher à la tonne. C'est la benne qui est impactée par la TGAP. La TGAP, en fait, elle augmente tous les ans. Voilà. Donc voilà l'objectif au niveau des tri des déchets. Alors au niveau de la stratégie pour le concours qui a été lancé par le Crous de Lille,
Au sein de Bouygues Bâtiments Nord-Est, ce qu'on a décidé, c'est que on a inséré au niveau du groupement, on a intégré un bureau d'études environnement, donc Élan, représenté par Adrien à côté de moi. L'intérêt d'avoir un BE environnement, c'est que il a fait toute l'étude par rapport à ce qui était dans le DCE, et on a décidé de réaliser un diagnostic ressources en phase étude à la charge du groupement, ce qui a permis derrière, donc ce diagnostic ressources a permis à Adrien de identifier, quantifier tous les produits, les matériaux qui allaient ressortir du chantier en fonction du programme travaux. De là, il faut donc rechercher et trouver les filières de réemploi, réutilisation, recyclage, bien entendu en priorité, et surtout aussi en local si possible. Alors au niveau de la conclusion, c'est que la stratégie concluante par rapport à ce que l'on a fait, c'est qu'on a présenté une offre avec un volet environnement robuste et de qualité. Ça nous a permis de répondre aux exigences explicites et implicites de notre client du CROUS, et par la même occasion de répondre aux ambitions de Bouygues Bâtiments Nord-Est sur la réduction de ses impacts environnementaux. Voilà. Donc ce que je dirais en synthèse, c'est que ce travail nous a permis de comprendre que le diagnostic ressources était indispensable pour avoir une stratégie pour répondre à l'offre, mais une stratégie déchets. Et j'ai envie de dire que dans un avenir proche, le diagnostic PEMD, il nous sera transmis par les maîtrises d'ouvrage dans le dossier de consultation. Tout comme aujourd'hui, on a les diagnostics amiante et plomb qui nous sont transmis. On aura comme un package diagnostic, mais qui inclura ce fameux diagnostic PEMD qu'on attend dans un avenir proche en fonction de la réglementation. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Alors je voulais, on était en train d'échanger très rapidement parce que on avait un point qu'on voulait aussi parler sur le diagnostic ressources. On va juste redonner le micro à Souhila. Voilà, pour un petit complément de votre côté. Merci de me saisir la perche. J'ai simplement de faire un petit point là-dessus dans mon introduction. Donc en effet, donc on parle soit de diagnostic déchets, donc bon, bah, celui-là est tombé dans la désuétude réglementaire. Maintenant, on parle de diagnostic PEMD, le diagnostic ressources. Il faut noter que le diagnostic ressources, c'est un diagnostic spécifique qui vient en complément du diagnostic PEMD. Le diagnostic ressources, lui, fait un focus réemploi, réutilisation, c'est-à-dire qui vient en complément du diagnostic PEMD qui, lui, aura fait des préconisations sur les différentes méthodes de gestion. Et lorsqu'on voit qu'il y a un fort potentiel réemploi, eh bien, on le complète avec un diagnostic ressources qui vient rentrer dans plus de détails et de préconisations pour la mise en place, en fait, du réemploi définitivement. Voilà, c'était le... C'est intéressant parce que c'est vrai que ça donne tout son sens avec l'intervention de Sandrine. D'ailleurs, aujourd'hui, nous devions avoir une autre personne à vos côtés. C'est Margot, voilà, prise pour d'autres difficultés. Vous en restez où tout va bien. Moi, je vais te challenger, Sandrine, parce que on a souhaité garder effectivement ce retour. On en reparlera tout à l'heure, car ce moment où on parle effectivement de toi, Adrien, le consultant avec Élan, il y a eu ce travail qui a été effectué tous les deux, en fait, sur cette passation. Comment ça s'est produit? Comment vous avez pu travailler ensemble pour continuer avec cet environnement Élan? Donc nous, comme Sandrine l'a indiqué, on est intervenu dès la phase d'offre auprès du groupement et de BBNE, pour justement définir toute la stratégie en économie circulaire et réaliser le diagnostic ressources, qui est la première étape, qui était la première étape de notre mission. Donc ici, très concrètement, donc diagnostic ressources, car à l'époque, on était en 2021, le diagnostic PEMD n'était pas encore d'actualité.
Dans les faits, donc dans le cadre de l'appel d'offres, il y avait des visites des bâtiments qu'ils étaient organisés. Donc là, on en a profité pour visiter les bâtiments et pouvoir identifier le potentiel de réemploi au sein des différentes résidences. Donc ça passe par un listing en fait des équipements qu'on va recenser dans le bâtiment. On va déjà faire une première caractérisation, donc au niveau des dimensions, des modes de fixation des équipements, voire aussi les contraintes logistiques. Si on envisage de réemployer certains équipements, bah, comment on peut les sortir du bâtiment? Est-ce qu'il faut envisager de casser des cloisons ou autre? Donc voilà, c'est vraiment faire un recensement assez exhaustif de tous ces éléments-là. Donc une première phase. La seconde phase, c'est une phase d'analyse documentaire. Donc on va se baser vraiment sur les inventaires techniques lorsqu'ils existent, sur les diagnostics plomb et amiante vu qu'ils sont déjà disponibles en théorie, et sur les plans aussi des bâtiments. Donc là par exemple, c'est important d'avoir les diagnostics plomb et amiante dès cette phase-là, vu qu'on envisageait par exemple de réutiliser les portes et on s'est rendu compte que les peintures qui étaient utilisées au niveau des portes contenaient du plomb. Donc, ça permet déjà d'écarter des filières qu'on envisagerait. Du coup, aussi à l'image du graphique à droite, donc en haut à droite, ce qu'on envisage quand on fait le diagnostic ressources, c'est vraiment de réintégrer les éléments dans le futur projet. Donc sur site, de discuter avec les architectes, avec le groupement, comment on pourrait réintégrer certains éléments dans le futur projet. Et ensuite, lorsque c'est pas possible, bah, c'est aller à la rencontre des acteurs locaux de l'économie circulaire, de les sonder, de voir leurs besoins. Donc quand je dis acteurs de l'économie circulaire, ça pourrait être des architectes, parce que voilà, il y a des projets où il y a des ambitions qui sont assez fortes et ils s'engagent sur des pourcentages de réintégration d'éléments de réemploi. Ou alors des entreprises qui travaillent sur des produits à base de matières ou de matériaux recyclés et qui doivent aussi réintégrer certains gisements. Donc à l'issue de cette phase de diagnostic, on a eu un temps d'arrêt avec BBNE et avec les autres membres du groupement pour vraiment fiabiliser cette stratégie économie circulaire et voir où on allait pousser les différents curseurs. La deuxième étape, c'est l'aide à la consultation des entreprises, donc des occurages et démolition, déconstruction, où là, on a accompagné la rédaction des clauses pour les CCTP, pour les consultations. On a aussi réalisé ce qu'on appelle des plans de dépose et des plans de curage, ou tel qu'illustré, là, c'est une chambre type du CROUS, où on peut voir élément par élément ce qu'on a envisagé en termes de stratégie économie circulaire pour les différents produits. Par exemple, le réemploi des bureaux, le réemploi des lits, le recyclage des menuiseries extérieures, etc. Donc ça permet vraiment à l'entreprise de savoir directement, dès la phase de consultation, la stratégie qui sera mise en place et les objectifs qu'elle devra respecter. Accompagné de ces plans, il y a les fiches, ce qu'on appelle les fiches matériaux, telles qu'illustrées à droite, où là, on va préciser, on va donner des éléments complémentaires sur les différents produits. Par exemple, ici, c'est une fiche matériaux pour un bureau. On aura les dimensions, on aura les matériaux qui composent le bureau, les quantités aussi qu'on va retrouver dans les bâtiments. Et ce qu'on priorise, donc ici, en l'occurrence, c'est le réemploi. Et on donne aussi à titre indicatif les différentes filières de réemploi ou de réutilisation qu'on a sondées et qui nous ont répondu favorablement. Donc, ça permet aux démolisseurs de déjà aller orienter les différents flux pour le futur. Et ensuite, il y a aussi, à titre indicatif, des indications sur les modes de dépose et de conditionnement aussi des produits, parce qu'il faut être vigilant sur la dépose et le conditionnement pour pouvoir les réintégrer de manière optimale dans le futur projet ou dans un autre projet. Voilà, ensuite, ça en vient à la phase d'exécution. Exactement, c'est Sandrine qui va reprendre la main sur l'économie circulaire. J'ai déjà pris, je sens que je vais avoir une ou deux questions à te poser tout à l'heure, mais je les garde comme Souila et Sandrine, je les garde au chaud. Et on va laisser maintenant Sandrine reprendre le micro pour un autre retour d'expérience, l'exécution du chantier par BBNE, qui aurait dû à l'origine être présenté par Margot.
Oui, alors je prends le relais. Margot étant absente, son rôle, c'est conducteur de travaux sur le chantier du Crous, et elle avait pour mission toute la... Enfin, elle a pour mission toute la partie gestion de déchets. Donc, je ne vais pas m'y reprendre, mais c'est une réhabilitation de 4 bâtiments de chambres universitaires qui se fait en 2 fois. Cette année, c'est 2 bâtiments, et l'année prochaine, on refait 2 autres bâtiments. La phase 1 vient juste de terminer. On a eu une première phase de désamiantage, ensuite un curage lourd et une démolition. La démolition, en fait, c'est plus la création de failles dans le bâtiment. Alors, au niveau de l'utilisation, l'utilisation du diag ressource qui a été fait par Elan, le conducteur du travaux récupère son compte rendu, il en fait une analyse, et derrière, elle a tout un travail, la personne a tout un travail de recherche des prestataires pour le traitement des déchets ou des matériaux de réemploi. Là, vous voyez qu'il est écrit l'accord client pour le réemploi. En fait, le réemploi n'étant pas un déchet, on n'a pas la traçabilité quand on fait du réemploi, ce qui fait que nous, en interne, on a des procédures où on va demander au maître d'ouvrage qui nous transfère la propriété des équipements que l'on veut mettre en filière de réemploi, de façon à ce qu'on ait bien son accord. Et c'est exactement la même chose pour les personnes qui vont récupérer les équipements pour du réemploi. On leur demandera de signer un document comme quoi ces équipements sont bien destinés à une seconde vie. Alors, au niveau de la mise en relation, en fait, il y a toute une stratégie contractuelle, recherche de prestataires, à savoir que nous, on a travaillé avec des prestataires de traitement de déchets locaux. Ensuite, on a aussi travaillé avec des éco-organismes, et notre curage lourd a été fait par un acteur de l'économie sociale et solidaire qui a lui-même des ressourceries. Donc, en l'occurrence, il y a aussi des produits qui ont été repris par cette association. Alors, au niveau du tri des déchets, ce qui s'est passé sur le chantier du Crous, sur site, on s'est retrouvé avec 10 flux, 10 bennes de volume variable. Alors, les volumes de bennes allaient de 8 mètres cubes à 30 mètres cubes. Les différents flux sont ceux qui sont cités, c'est tout ce qui est céramique. Les céramiques, c'est tout ce qui est sanitaire. Le PVC blanc, c'était les menuiseries extérieures. Le PVC gris, c'est tout ce qui est canalisation d'eau usée, par exemple. Tout ce qui est plâtre, alors les métaux. Les DEA, c'est les déchets d'équipement d'ameublement, et ça a été repris par un éco-organisme. Le verre, les D3E, comme on était en chambre universitaire, on avait quand même pas mal de frigos et de plaques chauffantes. Il faut savoir que le Crous s'était servi pour ce qu'il pouvait reprendre, mais par contre, concrètement, les locaux étaient encore complètement meublés. Après, il y avait tous les plastiques durs et les déchets en mélange. Je dirais que c'est ce qu'on dit dans d'autres termes, la benne DIB. Et là, je vois, il y a aussi une benne inerte. Donc, vous voyez, 10 flux, 10 bennes. Au niveau organisation, espace et tous les camions qui doivent venir et faire les rotations, c'est juste quand même compliqué au niveau de la gestion. Il faut vraiment en être conscient. Au niveau du réemploi, on est arrivé à faire du réemploi, à trouver des filières de réemploi pour le mobilier. On avait du bardage sur un pignon, on est arrivé aussi à trouver quelqu'un qui le reprenne. Les parois de douche, tout ce qui est chemin de câble en général, on y arrive facilement. Et les vidoirs, c'est ce que j'appellerais des éléments en céramique où les femmes de ménage viennent vider leurs seaux. Voilà. Donc, en clair, au niveau du résultat, Margot, elle a fait un petit camembert. Donc, alors, je vous précise qu'on est vraiment au stade du curage. On est arrivé à valoriser 80%, on est en poids.
On est à 4% de réemploi, qui est franchement pas mal dans le milieu du bâtiment, parce que bien souvent, c'est beaucoup plus faible, c'est moins de 1%. Ouais. Et en déchets en mélange, on était à 6%. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, je profite que tu parles, parce que tu nous as annoncé 70% des déchets, valeur potentielle technique tout à l'heure. Et là, alors, on voit 90%. Si tu peux juste nous faire le distinguo. Alors, quand j'ai cité 70% tout à l'heure, c'était on produit 70% des déchets en France, en tonnes, on produit. Là, on est à 90% de valorisation sur le tonnage du chantier. Tonnage de déchets hein, du chantier. Voilà. Souila, tu dis tout à l'heure, pourquoi, à mon sens, 5%. J'ai noté 5%, très peu appliqué. D'ailleurs, j'ai une part de réponse. Enfin, je pense savoir quand je vois le nombre de bennes qu'il faut. Pourquoi ce dispositif n'a pas été suffisamment pris en main? Concernant le diagnostic déchets, effectivement, il n'a pas été appliqué parce que... La problématique était à deux niveaux. Déjà, le niveau de la maîtrise d'ouvrage qui a eu du mal à se saisir du sujet. Et aussi le fait que le dispositif a été mis en place, mais il n'y a pas eu d'incitation ou alors il n'a pas eu de contrôle suffisant qui incitait en fait à la démarche. Et le deuxième niveau, c'était clairement le manque de compétences au niveau des diagnostiqueurs qui n'apportaient pas suffisamment la réponse à la maîtrise d'ouvrage de manière à ce qu'ils puissent pleinement se saisir de l'outil dans la gestion des déchets. Alors, si on parle de diagnostiqueurs, tu l'as cité, on a parlé de formation certifiante. Et alors, je comprends très bien, j'ai vu 3 ans aussi. Ça dure déjà combien de temps la formation ? En tant que tel, si on veut avoir une certification. Alors, en fait, si on reprend le diagnostic PEMD, il y a un arrêté compétences qui précise bien les prérequis d'un diagnostiqueur PEMD. Et donc, il doit justifier d'un minima 3 ans d'expérience dans le bâtiment avec une preuve de formation dans le métier. Et en fait, on voulait apporter justement une réponse parce qu'on sait très bien que dans les formations actuelles, il n'est pas très évident de trouver une formation qui réponde directement à ce besoin-là. Et donc, on a essayé d'apporter cette réponse-là en mettant en place cette certification, cette formation certifiante. Donc, le partenariat a été mis en place avec le CSTB en collaboration avec Recovering. Et la formation donc, s'adresse en premier lieu à des professionnels du métier, c'est-à-dire à ceux qui ont déjà les prérequis énoncés dans l'arrêté. On part pas de zéro, c'est déjà des professionnels, du bâtiment. Voilà, merci. Et donc, dans ce sens, à ce jour, la formation, elle dure 4 jours. Le 5e jour est dédié à l'évaluation. Donc, les 4 jours de formation se centrent sur le rappel des prérequis, le rappel des fondamentaux. Et donc, en dernier lieu, on s'attelle à la fois analyser un diagnostic, apporter une analyse critique à un diagnostic réel qui a été établi et aussi être questionné sur un diagnostic qui a été fait par le candidat. Donc, c'est une formation qui, on va dire, qui se fait sur une semaine, qui est amenée à évoluer parce qu'aujourd'hui, on a plus de détails sur la mise en œuvre du diagnostic. Donc, réponse apportée par le législateur qui va bientôt publier les arrêtés concernant le CERFA de récollement, etc. Donc, au maximum, la formation serait de 10 jours au maximum. 10 jours maximum. Mais qui s'adresse à des gens du métier déjà.
Oui, on a bien compris, avec 3 ans au minimum d'expérience. Adrien, avant que je laisse la parole à vous, mesdames et messieurs, dans la démarche, tu sais, de recensement, d'analyse de documentaires, on sent dans cette économie circulaire qu'il faut quand même faire passer des messages, il y a une sensibilisation. Tu disais tout à l'heure, Sandrine, j'ai noté, il faut éviter les extractions, tu l'as cité, et il faut essayer de montrer que les ressources peuvent redevenir des ressources. Quels sont les freins que tu as pu sentir à tes débuts lorsque tu t'es retrouvé à faire justement ce recensement? Justement, le gros frein, c'est dans la recherche des filières de reprise, où on se rend compte que il y a des architectes, par exemple, clairement, qu'ils avaient besoin de gisements, de matériaux, mais au niveau des temporalités entre le temps de la déconstruction et la construction de leur projet, il y a un problème en fait. Donc la déconstruction arrive trop tôt, trop tard par rapport aux autres projets. Donc le gros frein, c'est les plateformes de réemploi qui commencent à apparaître aujourd'hui. On commence à en parler de plus en plus, mais quand ça tout sera bien rodé au niveau des plateformes de réemploi, où on pourra aller s'approvisionner en termes de matériaux de réemploi directement sur ces plateformes, là, ce sera plus facile. Et tu as cité que c'est très récent, en fait, tu parlais de 2021. Mais quand j'ai entendu Sandrine sortir les bennes, ça m'a choqué, hein, les 10 bennes. Je me dis que tous les chantiers, il faut essayer, quand la benne est remplie, il faut quand même l'emmener à quelque part. Et le côté très récent, est-ce qu'on est assez opérationnel pour faire ce suivi? Ouais, je pense. Ma question est piège. Après moi, l'opérationnel, je laisserai peut-être répondre de BNE, mais je pense que en termes d'opérationnel, on est mature sur ce domaine en tout cas. Je pense que au niveau opérationnel, le principal, c'est vraiment d'anticiper longtemps à l'avance une zone déchet. Sincèrement, si elle n'est pas anticipée, ça va être un point de blocage. On l'a vu, hein. Nous, on avait vraiment de l'espace. On a été privilégiés et sincèrement, il y a eu des jours où Margot, au niveau de l'organisation des rotations, enfin, clairement, dans le jargon, c'était rock'n'roll, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment anticiper. Après, on n'aura pas le choix. Par contre, il y a une chose qui est importante aussi à comprendre, c'est qu'on doit démultiplier les filières et il ne faut pas voir ça qu'à travers des bennes. Aujourd'hui, dans le milieu du bâtiment, les déchets, on les voit dans des bennes. L'avenir, ça sera pas que des bennes, ça sera aussi des plus petits contenants. Et nos prestataires de déchets, ils vont être aussi obligés de s'adapter à ces moyens de conditionnement pour savoir les récupérer. En fait, on doit tous travailler, hein. C'est pas isolément, on est tous dans la même barque et tout le monde doit trouver des solutions entre guillemets pour que ça fasse un travail global. Voilà.